Le quorum étant atteint, nous avons siégé valablement et nous avons posé quelques questions qu'il fallait poser à l'exécutif pour savoir quelle est la situation qui prévaut actuellement au sein du CLEF. Le comité nous a fait rapport, je vais dire même que les soi-disant, les athlètes qui ont eu à déposer une pétition dans les instances, c'est qui n'ont pas qualité à le faire. Et la pétition soumise au niveau du conseil d'administration et du plan forme, ça n'en répond pas à nos statuts. Le président du comité de direction est élu par l'Assemblée générale et non les joueurs qui sont sous contrat de ce comité. Les joueurs ont signé un contrat avec le comité. Et ils ne peuvent pas aller dire à la fédération, à la ligne à foot, à n'importe qui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont qu'à aller devoir de venir voir le président du conseil d'administration qui est le fondateur du club pour dire, papa, voilà ça, 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 ça. C'est à ce niveau qu'on pouvait traiter. Mais du côté fort, les joueurs n'ont pas respecté les statuts du délit. Parce qu'on savait que, je vais dire ici hautement pour que les délégués comprennent, il y a les gens qui sont derrière cette histoire, qui n'existent pas, une histoire qui n'a ni tête ni queue. Tous ces joueurs sont fin contrat. Je veux que les gens viennent me dire le contraire. Ils sont fin contrat. Ils vont signer la pétition en fonction de quoi? Donc la pétition a été rejetée? La pétition au niveau du conseil est rejetée. La suspension préventive est acceptée par le conseil d'administration. La suspension des joueurs. Des joueurs. C'est une suspension préventive. Parce qu'il y a une commission de discipline qu'on a mis en place pour écouter ces joueurs. Et au moment, à un bon moment, il y en aura le véridique qui vous sera associé avec nous pour comprendre réellement. Quelle est la décision définitive que nous avons prise avec ce se prépare en conséquence parce que le président du comité de direction a fait notre fierté parce qu'il nous a présenté l'affiliation de quelques joueurs, au moins 22 joueurs, au moins 22 nouveaux joueurs qui sont acceptés à jouer ce championnat où la fédération comme l'indiquait a donné déjà le pouvoir à ces joueurs, même si le championnat est aujourd'hui, l'équipe se prépare en conséquence pour que l'équipe prenne part au championnat. Une façon de dire aussi également que par rapport aux pétitionnaires, c'est une façon de dire qu'ils sont mis à la porte. Je vais vous dire tout simplement, je ne peux pas vous dire qu'ils sont mis à la porte. J'ai dit tout simplement qu'il y a une commission qu'on a mis en place pour attendre ces joueurs. Nous sommes parents, nous connaissons les difficultés que connaissent ces joueurs
Mais le problème est que les messieurs ou les beaucoup de gens qui sont derrière ces gens-là, ils ont échoué. Et qui sont-ils? Non, ce n'est pas le moment parce qu'il y a les enquêtes qui continuent. Les enquêtes sont en cours, mais il n'y a pas de fumée sans feu. On sait, les gens qui sont derrière, ils doivent mettre à leur tête que le conseil de l'administration qui a essayé de l'oublier a ouvert les enquêtes. Parce que la même lettre, même français, et nous sommes quand même intellectuels. Nous sommes intellectuels, je crois que nous devons comprendre. Ici, c'est un problème de leadership. Le Dering a un comité en place il y a 3 ans. Si une autre personne croit que nous allons démettre ce comité pour que Victor passe, il se trompe. Nous respectons nos statuts, les 3 ans de mandat renouvelables, le comité qui est en place est là. Nous avons un comité dirigé par Paul Kassembele que nous avons élu par acclamation l'Assemblée générale. La section handball, nous venons de recevoir en pleine réunion, on a reçu les joueuses de la section handball qui sont venus demander pardon, qu'ils étaient élus en RL, ils ne savaient même pas de quoi s'agiter. C'est pour dire que le footer de trouble, il est en danger là où il se trouve, parce que ces joueuses ont annoncé déjà, voilà ça. Il doit se mettre en tête que ce que Dieu fait, ça va sortir à la une aujourd'hui devant tous les supporters pour qu'ils sachent que voilà, si aujourd'hui le Dering ne marche pas, il y a un groupe de gens qui veulent voir Dering 1 de ces 4 matins, comme Dragon 1 de ces 4 matins, comme il y a eu création de Renaissance. Ils n'ont qu'à créer leurs équipes, laisser le Dering calme. Nous sommes là, nous sommes soudés, le conseil d'administration est soudé. Et nous disons même que bientôt là, nous allons, même au niveau du conseil d'administration, nous allons assainir. Nous allons voir qui est réellement Dering. Ce n'est pas un administrateur qui est chez lui à la maison. Et il va rester comme ça et demain, il est en connivence avec les gens pour dire ça. Non. Nous sommes échangés beaucoup de choses au niveau du conseil d'administration. Les comités se plaignent aussi parce que depuis qu'ils sont en place, il n'y a jamais eu la remise de reprise. Au moment où nous connaissons que le Dering possède ça. Tout commence par ça. Quand les joueurs vont parler de 11 mois, est-ce que les comités en place ont déjà fait 11 mois? Depuis que ils ont fait 11 mois, c'est pour faire voir aux gens la machine qui est derrière, l'agenda caché que nous avons les joueurs aujourd'hui. Or, pour prendre un joueur, il doit être discipliné. Nous, on a fait des grands joueurs qu'on suspendait. Dit, allez, 3 matchs, je ne vais pas prendre part. Mais l'équipe existait toujours. Nous avons été avec les maturités sur la console. Qui ont fait la fierté du Dering, les bien avant. Ils ont fait la fierté du Dering, ils sont tous appelés. Mais, que voulez-vous aujourd'hui? Le temps est parti, on a les autres. Et on ne peut pas parler aujourd'hui qu'un joueur vienne et dise je veux réclamer ça. Oui, il y a des moments qu'il faut réclamer. Le comité est là, il y a la procédure. Comité, voilà, nous voulons ça. Et ils oublient même quand on leur donne de l'argent, ils ont signé. Même quand le comité sortant n'a pas pu terminer leurs arriérés, ils sont arrivés pour prendre part. Il y a eu un palliatif. Ils ont dit, écoutez, ce n'est pas un problème qui vous regarde. Voilà ce que nous vous demandons. Quand ils ont eu ça, tout le monde a signé. Il y a des documents que le comité nous a fait voir. Voilà, à telle date, nous avons signé avec les joueurs. En telle date. Mais pourquoi aujourd'hui, quelqu'un de mauvaise foi peut aller troubler l'ordre public de ses enfants? Maintenant, ses enfants, ils sont là. Nous voulons maintenant voir quand ces enfants ne sont pas d'Adéric, que les gens leur donnent l'argent. Qu'on les prenne en charge. Parce que maintenant, nous, le comité a pris les engagements avec les autres que nous allons prendre en charge. Mais que les gens prennent en charge ces enfants. Voilà la mauvaise foi. Moi, je ne peux pas prendre aujourd'hui mon enfant l'exposer. Mais vous n'allez pas exposer votre enfant, mais les enfants des autres, vous les exposez. Et ces joueurs de Dering peuvent écrire les Français que nous avons lu dans cette lettre. Pour avoir fait quel tweet. Voilà, j'ai dit que les enfants ont été manipulés, piégés par des gens de mauvais goût, des gens qui n'aiment pas Dering. Mais le Dering est là, le Dering est indivisif. Ceux qui cherchent à tuer le Dering, bientôt là, à la prochaine réunion du conseil d'administration, je crois que nous allons vous convier, les amis de la presse, pour dénoncer noir sur blanc que voilà, ça passe que nous sommes en train de faire des enquêtes. Parmi les joueurs, il y a les joueurs qui se sont livrés d'eux-mêmes pour dire que non, voilà, il y a eu ça, nous ne sommes pas dans ce groupe, voilà comment on nous a induits pour être dans ce groupe. Les joueuses de handball viennent de demander pardon, mais le président, comment voulez-vous, les joueuses de handball,
la compétition n'est pas en place, ça fait 4 mois, ils sont à la maison, ils peuvent réclamer qu'on ne nous paye pas, on nous encadre. On venait de mettre le comité d'aide-vol bientôt là qu'on venait de lire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. Il y a les profiteurs. Ces profiteurs-là ont induit les enfants en erreur. Nous, nous sommes là pour encadrer ces enfants-là. On va les écouter et la décision qui en découle va être promulguée. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie.